Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte masse et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les battent tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca baffe, écrit d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Shizo a plein d'adversaires, Bulle de Bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo, Shizo, Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo, Shizo, Shizo. Tous aiment Shizo. Hey. Shizo, Shizo, Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo, Shizo, Shizo. Y'a que ce Shizo. Allez, s'il te plaît, Sheila, la Chipadi à Shizo est une pièce extrêmement rare, il ne reste plus qu'une minute. Non, il n'en est pas question. Je suis un super ordinateur boosté en overclocking de Diamant Girlie et je ne te laisserai jamais m'utiliser pour de simples enchères en ligne. Mais regarde, si je n'enchéris pas tout de suite, ça va me passer sous le nez. Je te rappelle que j'ai un pare-feu extrêmement efficace et je n'hésiterai pas à m'en servir. Dans ce cas, tu me laisses pas le choix, Sheila. Non. Arrête! Si tu ouvres mon système de sécurité, je risque de me retrouver aussitôt exposé à toute une série de virus extrêmement dangereux. Ouais, tant pis. Ouais! J'ai gagné! À moi la chipadille, assez de la balle! Trop de la balle! Oh ouais, la classe! Non, t'as vraiment gagné? Non, quand il y a des confettis, de la lumière et de la musique, ça veut dire que tu as perdu. Ah bon? Mais non, j'ai gagné et je la recevrai cet après-midi, c'est trop bien. J'en reviens pas, tu as utilisé Sheila pour faire des enchères? Pas utilisé, manipulé, voire même lâchement exploité. Oh! À tes souhaits. Oh non, un problème, Sheila. Ah! Oh, on dirait qu'elle a attrapé un virus. Oh, Sheila. Ah! Oh! Ça va aller. N'est-ce pas? Oh non, j'en crois pas mes yeux, t'as fait planter Sheila! Mauvais plan, mon vieux! Oh, mauvais je plan! J'ai pas fait exprès, enfin! T'as intérêt à la réparer, Guy! Mais je voulais juste. J'étais. Sheila, réponds-moi! Sheila, est-ce que tu me reçois? Sheila, Sheila, si tu m'entends, je te promets de te réparer. Ne t'inquiète pas. Alors je me suis mis à tousser, puis j'ai disparu dans un dernier gémissement. Non, Sheila, je ne connaissais pas tes talents de comédienne. Une fois, j'étais exactement le même coup à ma super-héroïne, et je crois que ça lui a bien servi de leçon. Je pense que les icônes de super-ordinateurs comme nous devraient se prendre des vacances ensemble plus souvent, vous ne croyez pas? Absolument. Je me demande ce qu'il peut bien être en train de faire. Oh, voyez-vous ça? On dirait qu'il te manque déjà. Non, mais je voudrais juste jeter un œil. Tiens donc. Tu ressembles de plus en plus à Catwoman si elle était moche. Écoutez-moi, Zuma. C'est Uma. Uma thermique. D'accord, Wilma. En tout cas, je ne suis pas d'humeur pour vos blagues à la noix. Oh! Ce bâtiment est non fumeur. Oh, maman. Oups, j'y suis allé un peu fort, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Shizo? J'ai un problème avec mon super ordinateur. Il y aurait un super département informatique dans le coin? Si, deuxième étage. Demande le geek chic. Merci, Capitaine XL. Donc vous pensez que Sheila est toujours vivante? Oui, elle n'a sans doute rien de plus que des spasmes plasmatiques holographiques. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu comme des convulsions digitales. Oh là. Mais en fait, ce n'est pas très important. À quelle heure Sheila a-t-elle disparu? Il y a à peine quelques heures. Oh, alors tu as de la chance. Les icônes de superordinateur Wizo, comme on dit dans notre jargon, laissent toujours des traces de poudre de pixels partout où elles passent. De la poudre de fée? Non, de pixels.
comme la poudre de fée, sauf que c'est digital. Oh, je comprends. Comment je peux retrouver ces traces? Désolé. Alors, comment je peux voir cette poudre? Il existe un gadget pour ça? Ça marche avec des rayons X. Excusez-moi, monsieur. La poudre de pixels ne peut être aperçue que par des gens qui sont si simples d'esprit qu'ils en deviennent presque des génies. Allô, j'écoute. C'est qui? Salut, c'est moi. Oh, salut. Tu es toujours fâché? Non, mais quand même, je trouve que tu n'aurais jamais dû anéantir la pauvre Sheila comme ça. Super, je vois que t'es plus fâché. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Tu veux dire qu'elle va bien? Oui, le geek chic dit qu'elle a juste des spasmes plasmatiques. Oh là là. Hé, hey, c'est quoi ce truc-là? Quoi? Quel truc? Je vois rien, où ça? Là, juste sous tes yeux. Ça fait comme une sorte de piste par terre. Et c'est tout brillant comme de la poudre de fée. Mon vieux, tu es un vrai génie. Ouais, je sais. Sheila! Sheila! De plus en plus bas! De plus en plus bas! Vas-y, ma poulette! Oh, tu étais vraiment obligé de dire vas-y, ma poulette! Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est l'appel de Shizo. T'inquiète pas, ça va, Batty. C'est juste que je culpabilise un peu à cause de la fausse piste en poudre de pixels que j'ai laissée. C'est là qu'on se rend compte que c'est bien pratique d'avoir un pote qui est un vrai génie. Regarde faire l'artiste, c'est une technique de super détective. Je suppose que tu te souviens de qui habite là-haut? Oui, ton père. Ouais, enfin, le pigeon, c'est un méchant et c'est mon père adoptif seulement. C'est pas mon vrai père. Tu crois qu'il est là? Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Sheila, j'ai besoin d'un scan GPS de la tour de l'horloge de toute urgence. Qu'est-ce que je fais, moi? Accès refusé. Oh. Bonjour, citoyen. Pas d'inquiétude, tout va bien. Bonne journée. En fait, ça va pas bien du tout. Désolé. Shizo, tu profanes ma tour par ta simple présence. Comment oses-tu? Oui, mais regarde, je t'ai apporté un cadeau. Un méga gant à Big Baf. C'est pas ce que je voulais dire, enfin... Que dirais-tu d'une petite pluie de la terreur sur tes cheveux, Shizo? Super parapluie chilastique de combat! Tempête hurlante du destin cyclonique! T'as bientôt fini d'envoyer des vents! Je vais te picorer le crâne, Shizo! Ah, cervelle de moineau! Tu me rattraperas pas! Au secours! À l'aide, vite! Sortez-moi de là! Oh, quelle situation ridicule! J'ai toujours su que je finirais par t'avoir, Shizo! Coquelin! Mon cher enfant disparu! À nous deux, cervelle de moineau! Viens par là! On oublie la gentille petite fée-fille! Coup de pied méga fantastique! Le pigeon n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Oh. Ouais! Bravo! Tu l'as bien sonné, Shizo! T'as été sidérant, ma bécasse! Allez, on rentre. Sheila, envoie-nous la chimobile en vitesse. Oh. T'as l'intention de faire ça jusqu'à quand? Oh, ce que je peux être bête, moi. Mais non, enfin. Mais sans Sheila, tu n'es rien. Ouais. Si seulement j'avais un moyen de lui dire à quel point elle me manque. Oh. Bon, les amis, je crois que pour moi, c'est le signal que les vacances sont terminées. Ça a été un vrai plaisir, Sheila. Un vrai? Comment tu peux dire que c'est vrai? Nous ne sommes que des hologrammes. Elle a quand même une sacrée grande bouche pour parler poliment. Je t'ai entendu. Initialisateur d'acti sécurité système super faux préchieux holographicateur. Ah, ça y est, je l'ai. Comment réinitialiser votre supertronique chez la 9000? Quoi? Non, sans rire. Bien, vous arrivez pile poil pour m'aider à redémarrer Sheila. Comment on fait? Tout est écrit là-dedans. T'as trouvé un mode d'emploi pour Sheila?
Et rendez-moi! C'est le manuel de l'utilisateur. Et comme je suis Shizo, c'est moi l'utilisateur. Crache le morceau! Pour redémarrer votre Supertronic Shell à 9000, faites 3 tours sur vous-même. 1, 2, 3! Ensuite, appuyez sur le bouton rouge en disant « Sheila, je t'aime, oui, je t'aime, oh, ce que je t'aime, Sheila, oh oui, oh, wou, wou. » Non, sans rire. Appuie! Ok, ok. Eh ben... je suis vraiment navré, Sheila. Je t'aimais bien, tu sais. J'espère que j'étais un ami pour toi. Les gars! Waouh! Maz, regarde! Waouh! Waouh! C'est totalement chinoui! Ah, je suis chi contente d'être de retour. Ouais! C'est le plus beau jour de ma journée! Je vous ai manqué? Ça oui, alors t'as manqué! Oh, terriblement! Ça oui! Alors, Guy, tu n'as rien de spécial à me dire? Si. Si, une chose. C'est ma Chipadilla Shizo! Toi aussi, tu m'as manqué, Guy. Ce sont des œufs. Je n'en reviens plat. T'as le bacon? Chaud devant. Deux œufs spéciales bacon sur place ou emportés? J'ai une petite course à faire. Arrose le jardin. Mais il n'y a pas un arrosage automatique pour ça? Normalement, oui, mais il est encore en panne. Justement, je vais acheter ce qu'il faut pour le réparer. Et si la moindre petite fleur de ce jardin meurt en mon absence, c'est toi que je vais cueillir. Ok. D'accord, maman. T'inquiète pas, je m'en occupe. Tu peux faire confiance aux professionnels de l'arrosage. Ça va être la fête de la trompette. H2O, ouais! Mais d'abord, à table. Ah, c'est-y pas le bonheur absolu, un bon petit déj bien nutritif? Ça veut dire oui. Les tomates ont pris un coup de soleil! Oh non! J'ai oublié d'arroser le jardin! Quelle surprise! Alors pas de fête de la trompette? Non, la fête est annulée, tout est fichu. Il y a peut-être une solution. Je suis tout oui. Salut Pete, j'aurais besoin d'un joint pour réparer cette sale machine pour la énième fois. Encore? Non mais sans rire, Droucha, ce machin c'est une véritable antiquité, ça a au moins 10 ans. Non, ma chère. Ce qu'il te faut, c'est une mise à jour. Tu mérites le meilleur et voici la turbopompe hors massif Arrose Ultime.
Non, je veux seulement un nouveau joint et rien d'autre. Réfléchis bien, tu es certaine que tu n'as besoin de rien d'autre? Si, du ruban adhésif pour te bâillonner. Tu as dit que ce truc était rangé où déjà? C'est derrière ce truc, posé sur ce truc, entre les trucs A, à côté de l'autre truc. Ah, je l'ai. Terre brûlée, je te présente le fertilisateur extra pouce X9000. C'est ce qu'on a de mieux à faire, Shizo ne doit surtout pas être cueilli. C'est vrai, et s'il y avait un signal d'alarme? Ou alors une catastrophe? Bah, je pourrais toujours prendre la place de Shizo, moi. Ouais, c'est bien ce que je disais, une catastrophe. À propos de catastrophe, je vous signale que le fertilisateur n'a jamais été testé en conditions réelles. Dans ce cas, testons-le tout de suite. Waouh! Ce fertilisateur extra pouce X9000 est hallucinant! Laisse-moi l'essayer! Kelly, arrête! Ce machin te rend folle! Merci. À mon tour! Jardin du monde entier tremblé devant ma puissance! Ouais! Vive la nature! Ça, c'est sa vraie nature. Poussez, mes petits, poussez! Je suis le maître des fleurs pour toujours et à jamais! Vous m'entendez? À jamais! La guerre est terminée, commandant Bourricot. Oh, t'es sûr que c'est terminé? Oh, mince! Il était presque cuit! Bien essayé, Cornelius! Merci, Cornel! Courez! Le champ de maïs est un champ de bataille! Ah! À l'aide! Le gazon perd la raison! Ton jardin, c'est une vraie jungle! Tu veux dire que c'est la loi de la jungle? C'est ce qu'on appelle un jardin sauvage. Mais je comprends pas pourquoi il attaque. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire de mal, Sheila? Je vous ai dit que le fertilisateur n'avait pas été testé. Est-ce que vous m'avez écouté? Non. Oh, flûte. Oh non! Les légumes veulent nous cuisiner! Les tomates ne sont pas des légumes, mais des fruits! Vas-y, ma poulette! Kelly, Maz, Shizo, occupons-nous de régler ce problème! Ne m'appelez plus jamais Maz! Maintenant, je suis le cow-boy de la pelouse! Tu veux dire le cow-boy du ridicule? Non, non, le cow-boy de la pelouse! Et grâce à cet instrument, je vais reprendre le contrôle absolu de tout ce jardin! Au secours, Shizo! C'est ça que tu appelles le contrôle absolu de tout le jardin, ranger des bacs à sable? Tu vas voir, monsieur tête dure comme du bois! Tu vas tâter de mon rouge à lèvres laser! Bouge de la minus! Bon, d'accord! Barrette, boomerang! Je fais suivant! Ah, sauve qui peut! Vilaine barrette! Tu vas m'obéir, oui! Je t'ordonne de... t'arrêter! Tu m'as loupé! Ça, c'est de la tomate qui tue! Littéralement! J'ai l'impression qu'on a perturbé le fragile équilibre de la nature! Tu crois? Quelle révélation! Le soleil endormi déjà tombe la nuit. Et la quand la branche casse, le berceau va faire rock'n'roll. Ça, c'est ce qui t'est arrivé quand t'étais petit. Je vais vous garder et vous chérir et vous serrer fort dans mes branches pour toujours. Je ne vais pas te laisser faire. La racine, c'est le pied. Tous les anges du ciel veilleront sur ton sommeil. Et c'est la Casa Croze qui franchit l'obstacle la tête la première. Et qui va manger des pissenlits? Mon vieux, les décorations de jardin de ta mère ne sont plus du tout mignonnes. Gentil, le nain de jardin, tout doux. Couché, pas bouger. Regarde, ton paillasson pète les plombs, on dirait. Je ferais comme lui si j'étais à sa place. J'en ai assez que tout le monde me marche dessus toute la journée. T'es sûr que c'est le moment de te refaire une beauté? Absolument, regarde bien. Voilà,
qui devrait suffire à le calmer. Salut. Non, d'une sacrée chiso. Super. Avant c'était un paillasson et maintenant c'est un Godzilla yasson. Gigantesque. Comment s'en débarrasser? Je commencerai par le cri supersonique. Souffle-le. Très bonne idée. Non. Très mauvaise idée. Et si tu rates le paillasson et que tu souffles sur la maison à la place? Ah oui, c'est vrai. Je me demande ce que ta mère dirait. Posez-lui la question. Elle sera ici dans 10 minutes. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est sûr, elle va te cueillir. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sheila? Le fertilisateur Extra Pousse X9000 possède une fonction inversion. Utilisez-la, enfin, si vous pouvez. Hé, toi, paillasse sombre idiot! C'est à moi que tu parles, espèce de coton-tige! Non, je suis pas un coton-tige. Je suis le cow-boy de la pelouse. Et tu vas sentir le vent tourner grâce à mon super machin turbo qui souffle les feuilles. Ouais! Nous n'allons pas laisser un paillasson nous piétiner. T'as pigé, hein? Paillasson, piétiner, c'est une blague. C'est à se fendre dans les pieds en deux. J'adore ces blagues. Je vous signale qu'on me l'avait déjà faite. Ça suffit maintenant, espèce de paillasson pourri qui pue le prout et la poussière de patate. Rends-moi le fertilisateur. Même pas en rêve. Stop. Tu files un mauvais coton. Salut. Allez, je sens que je me décompose. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il est grand temps de mettre fin à ce petit pique-nique. Oh, je crois que notre dernière heure a sonné, Kelly. Oui, c'est terminé, Matt. Alors, avant de quitter ce monde, j'ai quelque chose à t'avouer. Depuis toujours, Kelly, je suis très, très amoureux de... Vous allez voir, bande de monstres de films d'horreur. Voilà, plante-toi ici. Voilà, c'est bien. Allez, on s'aligne gentiment les deux épis. Toi aussi, le fruit bien mûr. Tu voulais me dire un truc? Il voulait dire que je suis le meilleur. C'est ça ta fameuse fête de la trompette? Non, ça c'est plutôt le déluge de la fin du monde. Ça va exploser comme une bombe. On peut dire que c'était moins une. Oh non! Salut les enfants! Salut! Salut. Où est passé Guy? Je suis là! J'étais en train de tailler les buissons. En tout cas, le jardin est bien entretenu, mon cœur. Merci d'avoir arrosé les plantes. Catastrophe évitée de justesse. Ouais, et je me suis même pas fait cueillir par ma mère. Allez, on recommence! Non! Comment s'est passée ta journée? Oh, très bien. Je suis allée à la quincaillerie. Ah! Est-ce que Pete était encore collant? D'une certaine façon, oui. Au secours! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît?